Mes amis, bonjour, la Minute 2.0. Là, bah, comme je vous dis tout à l'heure, mon coup de cœur, c'était le rhum sans pain. Bah, là, je suis avec le producteur qui est juste ici. Il va se présenter, il va vous dire un petit peu. Il m'a raconté un petit peu son histoire qui était assez folle, surtout pour le concours de San Francisco. Il a quelques belles histoires à raconter, même si ça fait juste un an qu'il a commencé à distiller. Bah, je te laisse te présenter, explique un petit peu comment ça se passe et ce que tu fais. Alors, bah nous, c'est Antoine. Voilà, on a ouvert la distillerie l'année dernière. Ça fait un an qu'on est ouvert et officiellement depuis le 31 mars de cette année. Donc tout récent, on a fait notre première production l'été dernier. Et là, on a embouteillé quelques bouteilles il y a deux semaines avant le Rhum Fest. Donc c'est notre premier batch qu'on présente cette année. On fait un rhum 100% pur jus de canne à base de canne locale, une variété locale. On est situé à environ une quarantaine de kilomètres des champs de canne, ce qui nous permet d'avoir un temps entre la coupe et la presse très réduit, entre 12 et 24 heures. On fait une seule presse, on fermente en cuve thermorégulée, on passe après le tout en colonne, on sort un rhum à environ 68-70% d'alcool, qu'on va laisser reposer 3 semaines après en cuve, avant une réduction pendant 6 mois. Donc là, cette année, on a sorti 3 blancs, un 48, un 54, un 65 foolproof. Voilà. Le 54, cette année, on a eu la belle surprise d'avoir eu la double médaille d'or au concours de San Francisco et best in class dans la catégorie rhum agricole. Et bien sûr, ça, le jour de son anniversaire. Voilà, le résultat, le jour de mon anniversaire, c'est vrai. C'est la petite surprise. Exactement. On a aussi mis en barrique des fûts de cognac 4000 litres en vieillissement, qui ont aujourd'hui 6 mois de vieillissement, et on va attendre un petit peu, voir comment ça évolue pour faire des ambrés, des spiced, et plus tard, des rhums vieux. Bah voilà, après ce petit tour sur le rhum sans pain, bah maintenant, à vous les studios, comme qui dirait, hein, et merci Nain de Jardin, je t'aime.